Elle a été entendue. Ce mercredi 23 juin, Britney Spears a été entendue par la justice afin de faire le point sur sa tutelle. Le lendemain, CST sur son compte Instagram que la chanteuse a souhaité rétablir certaines vérités. Alors qu'elle enchaîne les publications sur lesquelles elle affirme que tout va bien, l'artiste de 39 ans ne souhaite plus mentir et elle affirme que ses sourires de façade n'étaient qu'un mensonge. Dans un message déchirant, elle se livre à ses abonnés. Je veux vous dire un petit secret, écrit-elle d'abord avant d'ajouter, je pense que les gens ont envie de voir un conte de fées et d'après ce que j'ai publié, ma vie semble être parfaite. Je tiens ça de ma mère. Peu importe à quel point une journée pouvait être misérable, elle faisait toujours semblant que tout allait bien, se souvient-elle. Bien décidée à être honnête, elle s'excuse ensuite auprès de ses fans, « Je ne veux pas que les gens croient que ma vie est parfaite parce que ce n'est vraiment pas le cas. » Si vous avez regardé les infos sur moi cette semaine, vous savez maintenant que ce n'est pas le cas. Je m'excuse d'avoir fait croire que tout allait bien ces deux dernières années, conclut-elle. Si Britney Spears a réussi à prétendre que tout va bien durant toutes ces années, CST aussi car, selon ses propos, faire semblant m'a beaucoup aidé, écrit-elle. De plus, elle confie avoir eu honte de partager ce qui m'arrivait. J'ai fait semblant par fierté. Mais honnêtement, qui ne veut pas présenter son compte Instagram sous une lumière sympa? Demande la chanteuse. L'artiste de 39 ans affirme ensuite que poster autant sur les réseaux sociaux lui a permis de sentir que j'avais de l'importance malgré tout ce que je vivais. Ça a fonctionné donc j'ai commencé à lire plus de contes de fées, avoue-t-elle. Pour illustrer sa publication, Britney Spears a utilisé une image sur laquelle est écrite une citation d'Albert Einstein. Si vous voulez que vos enfants soient intelligents, lisez-leur des contes de fées. Si vous voulez qu'ils soient plus intelligents, lisez-leur plus de contes de fées, a-t-il déclaré. Une simple phrase qui semble avoir eu beaucoup de sens pour la chanteuse mais qui lui a également permis d'aller de l'avant au quotidien. Britney Spears, qu'a-t-elle déclaré lors de son audition ? Face à la juge, Britney Spears n'a pas mâché ses mots. Bien décidée à expliquer ce qu'elle vit au quotidien depuis sa mise sous tutelle il y a 13 ans, elle a fait des confidences bouleversantes. Je veux juste reprendre ma vie, ça fait 13 ans et ça suffit, indique-t-elle avant d'ajouter, j'ai dit au monde que je suis heureuse et que je vais bien mais je suis traumatisée. Je ne suis pas heureuse, je ne peux pas dormir. Je suis tellement en colère. Furieuse contre son père, elle a ensuite fait une révélation qui a profondément choqué ses fans. J'ai un stérilet dans mon corps en ce moment qui ne me permet pas d'avoir un bébé et mes tuteurs ne me permettent pas d'aller chez le médecin pour le retirer. Sous les publications de la star américaine mais aussi sur le hashtag #FreeBritney, lancé depuis plusieurs mois, les internautes lui ont rapidement témoigné leur soutien. Britney Spears pourra-t-elle reprendre une vie normale prochainement ?